elle est, mon erreur? Parce que je ne t'aime plus, c'est ça, j'ai bon? Nous avons présenté l'apôtre Peter qui nous vient de l'Australie. Nous sommes très honorés de vous avoir au milieu de nous. Nous avons le docteur Michaud qui nous vient du Canada. Nous sommes également très honorés de vous avoir au milieu de nous. Et je vais juste demander à mon aîné, pasteur Noéla, qui est là aussi. Merci pour ta présence. Je peux juste tenir debout. Nous voulons acclamer le Seigneur pour son humble serviteur. God bless you. Merci. Nous avons le pasteur Hubert de l'église Trinité qui est là aussi. Nous voulons honorer sa présence pour vous tenir debout. Amen. Nous avons l'évangéliste à côté. Si vous pouvez également vous tenir debout, nous voulons vous honorer. On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous avons. Ok, le frère fils qui est avec nous aussi. S'il peut juste se lever, nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie, serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, merci. Eh bien, tous les restes sont les gens de la maison. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons accueillir un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, même s'il n'aime pas ça, à cause de son humilité, qui fait un grand travail, merveilleux au niveau de Ottawa, Canada, dirige l'église Sénat. Il est marié à une seule femme, maman Cécile. Une seule femme. Aujourd'hui, il faut toujours préciser ça parce qu'il y a trop de complications. Quand on dit marié, on ne sait plus marié. Alors, c'est vraiment un travail merveilleux, un travail remarquable. Nous l'avons eu ici au mois de janvier, je crois. Début d'année, il était avec nous. Et il est de passage en Europe ici. Il a disposé son temps pour venir nous apporter la parole de Dieu. Alors nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur. Nous voulons l'honorer. Le docteur Michaud Mundala, si vous pouvez soutenir. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être encore ici cette même année. Je suis passé ici au mois de janvier et j'étais béni, donc je bénis le Seigneur pour ça. C'est grâce à lui que nous sommes là, c'est grâce à ce qu'il a fait à la croix que nous sommes là. Donc je ne sais pas si tu peux acclamer Jésus, le roi de gloire. Et je remercie aussi pasteur Douglas, mon ami, mon frère, que Dieu le bénisse, mais avec aussi maman et toute l'équipe autour d'eux, que Dieu vous bénisse. Vous faites aussi un travail merveilleux. J'avais dit, comme je suis de passage ici, vous allez m'imposer les mains pour que j'écrive des livres aussi. Hein? Amen. Et je bénis aussi le Seigneur. Hier, j'étais béni par apôtre Peter que j'ai rencontré pour la première fois, que j'ai écouté aussi. I was so blessed. God bless you. I was so blessed. Et puis je vais saluer aussi mon ami, mon frère, docteur Lumandé. C'est un peu grâce à lui que la France m'est ouverte, donc je lui dois ça. Je le bénis aussi. Et mon ami pasteur Hubert qui m'a accueilli cette fois-ci, et toute l'équipe, l'évangéliste Jean-Claude, et chacun de vous aussi. Parce que je dis toujours, sans vous, il n'y a pas église. Même si on a l'onction, on ne prêchera pas sur des chaises. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être entre tes mains un simple instrument pour
que tu puisses me parler, parler à mon frère et à ma sœur. Je crois que ta parole est la vérité quand elle déclare que le Saint-Esprit est celui qui enseigne. Ce ne sont pas nous, mais c'est lui. Alors s'il vient ce soir et il est là, il peut nous assister, il peut nous aider, que nous puissions nous effacer afin qu'il prenne la place. Merci d'édifier le cœur de chacun de nous. Nous déclarons que la Bible dit, il n'y a point de puissance contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Laisse que la puissance de ton royaume soit au service de la parole de Dieu qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans cette merveilleuse conférence avec un thème que le pasteur nous a proposé, que le Seigneur a mis dans son cœur. Merci. Et qui est la famille selon le cœur de Dieu. La famille selon le cœur de Dieu. Alors, hier, on était bénis par l'intervention du serviteur de Dieu, l'apôtre Peter. Ce soir, je vais rapidement donner quelques points et je vais voir à la fin si on a le temps pour prier, sinon demain on pourra le faire. Et je pars donc du livre des psaumes sur ce thème, la famille selon le cœur de Dieu. Je vais lire dans les psaumes 11, le verset 3 et le verset 4. Psaume chapitre 11, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit « Quand les fondements sont renversés, dans certaines versions on dit « ébranlés, détruits, les justes, que ferait-il ? » Dans d'autres versions on dit « Celui qui a été justifié, qu'est-ce qu'il ferait ?» Béni soit le nom du Seigneur parce que le verset 4 ajoute « L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sonde le Fils de l'homme. » La Bible dit quand les fondements sont renversés. La première chose que la Bible dit, c'est possible d'avoir un fondement, mais c'est possible que ces fondements-là soient attaqués. C'est possible qu'ils soient même renversés. Mais il y a de l'espoir parce que dans le verset 4, la Bible dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple ». Les fondements sont renversés et tout de suite la Bible dit « L'Éternel est dans son temple ». Le trône en haut, sa présence dans son temple. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est l'église de Dieu. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est toi et moi. C'est nous qui formons une maison vivante, étant chacun de nous des pierres vivantes. Alléluia. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que devons-nous faire? Alléluia. Parce qu'on voit aujourd'hui que la famille est attaquée. La notion de la famille selon Dieu, et ce soir selon le cœur de Dieu, est attaquée dans ses fondements. Et la Bible dit, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On peut se décourager, on peut être pressé, on peut se sentir dépassé. Mais la Bible dit, quand les fondements sont renversés, il faut chercher là où l'Éternel se trouve. Quelqu'un peut me dire amen? Quand les fondements sont renversés, il faut chercher là où l'Éternel se trouve. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? L'Éternel est dans son temple. C'est-à-dire que quand les fondements sont renversés, c'est une opportunité pour l'église de briller. Parce que l'église, c'est là où l'Éternel se trouve. C'est à l'église de prendre cette opportunité. Alléluia. Pendant que la famille est bousculée de toutes parts, l'église a une opportunité. L'église a une occasion. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ce thème. Parce que c'est une occasion de dire au monde, quand vous renversez les fondements de la famille, venez nous voir parce que nous avons le... Ah. Alléluia. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps d'être dépassé. Parce que c'est le temps où le Seigneur fait une distinction nette. Alléluia. C'est parfois quand les choses qui sont dans l'église sont les mêmes qui sont dans le monde, on ne peut plus identifier l'église. Quand le monde est dans désespoir, quand le monde est dépassé, quand les parlements sont dépassés, quand les gouvernements sont dépassés, c'est le temps pour l'église de briller et de dire, voici ce que Dieu appelle famille. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il?
mais l'Éternel est encore là. Parce que le fondement de tout peut être renversé, mais le Seigneur, lui, il est stable. Voilà pourquoi il faut courir à lui. La Bible dit, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est lui qui nous garantit la stabilité quand les fondements sont renversés. Laissez-moi parler rapidement sur le thème qui nous a été donné. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que je ne toucherai pas parce que l'apôtre a bien touché à ça. Et le pasteur lui-même a parlé beaucoup, l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. Je l'ai suivi et j'ai dit, mais pourquoi il nous a invités? Parce qu'il a vidé le sujet. Amen. Alors, donc on dit la famille selon le cœur de Dieu. Donc, premier élément dans le thème, c'est quoi? C'est la famille. Je ne vais pas te fatiguer beaucoup sur ça, parce que tu connais un peu la famille. Quand on parle d'une famille, on parle d'un ensemble de générations qui se succèdent. Et qui descendent, par exemple, d'un ancêtre commun, hein, un chef de famille. Dans ce sens-là, par exemple, quand tu lis Genèse chapitre 24, au verset 38, la Bible dit, « Mais tu iras dans la maison de mon père. » Ça, c'est Abraham qui parle au serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac. Et donc, « Tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » Là, Abraham appelle tous ceux qui sont sortis de son ancêtre et sa famille. Donc, il était avec sa femme, avec son fils Isaac, avec ses serviteurs, mais il dit à son serviteur, là où tu vas aller, c'est aussi ma famille. Amen. Deuxièmement, quand on parle de la famille, on parle aussi de l'ensemble des personnes qui sont unies par un lien de parenté ou un lien d'alliance. Amen. C'est comme ça que je peux vivre avec ma belle-sœur, je dis c'est ma famille. Hein? Parce qu'il y a un lien de parenté avec mes enfants et il y a un lien d'alliance avec ma femme et sa famille. Quelqu'un me dit amen. Et dans ce cadre-là, quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 14, la Bible dit, « Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. » Donc tu sais que Jacob n'a pas accouché 75 personnes directement, il a accouché les patriarches, mais à cause des mariages de ses enfants, sa famille a grandi jusqu'à 75 personnes. C'est-à-dire on voit là-bas les liens de parenté et les liens d'alliance. Troisièmement, quand on parle de la famille, peut-être c'est le sens que nous allons plus retenir, c'est un ensemble formé du père, de la mère et des enfants. Alors quand tu as Actes des Apôtres chapitre 16, le même livre des Actes des Apôtres chapitre 16, versets 31 et 33, Paul et Silas, tu connais l'histoire, répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le mot famille là-bas est différent du mot famille ici. Alléluia. Sougenea, c'est la famille où il y a la parenté, il y a l'alliance. Et oikos, c'est la famille qui est plus restreinte. Donc, quand on parlait à ces gardien de prison, la Bible dit, on lui a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. On ne parlait pas de tous ceux qui sont aussi au village. Alléluia. Parce que dans le verset 33, la Bible dit, il les prit avec lui, donc le gardien, à cette heure même de la nuit, il les lava, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Donc c'était la même nuit, ce n'était pas prévu, ce n'était pas organisé. Et cette famille-là était une famille restreinte, ceux qui étaient avec lui dans la maison. Amen. Parce que la rencontre avec les apôtres et le passage des apôtres à la maison n'était pas planifié. Tu sais, dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 10, l'histoire de Corneille, la rencontre de Paul et de Pierre avec Corneille était organisée. Parce qu'il a une vision, il a envoyé des gens à Joppé, ils sont arrivés. Et la Bible dit, Corneille a réuni sa famille et ses amis et les habitants d'alentour, ses amis intimes. Mais lui n'avait pas le temps de préparer. Donc quand on dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, pour lui c'était vraiment sa famille restreinte. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'inviter tout le monde, ils ne savaient pas. Quelqu'un dit amen. Deuxième chose. Dans ce qui nous a été proposé, c'est la famille selon le cœur de Dieu. Alléluia.
selon le cœur de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, on retrouve cette expression-là. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand Saül a été rejeté et on a choisi maintenant David, et le Seigneur pouvait dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'expression selon le cœur de quelqu'un, il y a deux idées. La première idée, c'est qu'il y a l'idée de plaire à la personne. Quand on dit que ça c'est une personne selon mon cœur, cette personne-là me plaît. Je les trouve agréables. Ils provoquent l'amour en moi. Ils provoquent mon attirance. Ils m'attirent. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Donc quand on dit famille selon le cœur de Dieu, c'est une famille, quand Dieu regarde, Dieu trouve ça agréable. Dieu trouve le plaisir dans cette famille. Dieu se sent attiré. Alléluia. Dieu se sent attiré. Son amour coule plus vers cette famille-là. Quelqu'un me dit amen. J'ai pris qu'après cette conférence, ta famille et ma famille soient une famille selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et à ce niveau-là, donc au niveau du plaisir, se cache la notion de la grâce. Alléluia. La notion de comment? De la grâce. Parce que qui peut plaire à Dieu? Qui peut plaire à Dieu? Dieu est tellement saint. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement saint. Que ferais-tu pour lui plaire? Même quand il dit David est l'homme selon mon cœur, ce n'est pas que David était un homme parfait. Mais Dieu était dans la joie avec David. L'un des rares rois en Israël qui n'a jamais commis l'idolâtrie. Il a fait beaucoup de folies, mais il n'a jamais adoré un autre Dieu. Beaucoup ont servi Dieu. Salomon a même bâti le temple, mais à la fin, il a bâti aussi des hauts lieux pour des faux dieux. Gédéon a renversé l'autel de Baal, mais vers la fin de sa vie, il a bâti un autel. Alléluia. Tout le monde, il a permis cela. Deuxième chose, dans la notion de selon le cœur de Dieu, il y a la notion de faire la volonté de la personne. Quand quelqu'un dit cette personne est une personne selon mon cœur, premièrement, il se plaît dans cette personne. Il aime cette personne. Parfois, il oublie même d'autres choses qui se sont passées avant, mais il dit je veux trouver mon plaisir parce qu'il y a la grâce qui amène, qui vient là-bas. Mais après la grâce, il faut l'obéissance. Alléluia. Il faut l'obéissance. Donc quand on dit selon le cœur de Dieu, c'est que c'est une famille qui va exécuter la volonté de Dieu. Il va faire ce que Dieu souhaite, ce que Dieu commande et ce que Dieu décide. Donc quand on dit la famille selon le cœur de Dieu, pour moi, c'est une famille qui plaît à Dieu, mais aussi qui fait la volonté de Dieu. C'est une famille qui a trouvé grâce devant Dieu et Dieu commence à être, comment on dit ça? Please, hein? À être content de cette famille-là, mais aussi, c'est une famille qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Qui fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Parce que ta famille est une famille selon le cœur de Dieu. Et si elle n'est pas encore la famille selon le cœur de Dieu, tu es à la bonne conférence. Parce que d'ici la fin de cette conférence, ta famille va changer de position. Alléluia, elle sera cette famille qui fera la volonté de Dieu. Elle sera cette famille dans laquelle Dieu trouvera plaisir. J'ai pris que ça soit ton cas. J'ai pris que ça soit ton partage. J'ai pris qu'après cette conférence, quand Dieu regarde ta famille, que Dieu sourit. Quand Dieu regarde ta famille, que Dieu soit content. Quand Dieu regarde sa famille, que Dieu soit attiré. Alléluia. Parce que tu vas faire la volonté de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais la question que nous avons posée, quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que le juste va faire? Alléluia. C'est une opportunité pour le juste de briller. Parce que Dieu est encore dans son église. Alléluia. Alors donc, nous parlons donc des fondements. Les fondements de la famille selon le cœur de Dieu. Le fondement de la famille selon le cœur de Dieu. Alors, quand nous parlons de fondements, je vais te rappeler peut-être des choses que tu connais. Il y a quatre idées quand on parle de fondements. Il y en a peut-être plusieurs. Laisse-moi retenir quatre ce soir. Premièrement, quand on parle d'un fondement, on parle de la base de quelque chose. Alléluia.
On parle de la base de quelque chose. Je vais peut-être parler de façon générale, mais n'oublie pas que nous parlons de la famille. Et je vais revenir chaque fois à la famille. Alléluia. Donc on parle de la base de quelque chose. Donc quand nous parlons de fondement d'une famille selon le cœur de Dieu, par rapport à la base, on se pose la question, quelle est la base de ta famille? Alléluia. Aide-moi à poser la question au voisin, quelle est la base de ta famille? Et dis-lui, garde la réponse pour toi-même. Alléluia. Deuxièmement, dans l'idée de fondement, il y a l'idée de supporter. Un fondement, c'est la base de la chose. Et le fondement, c'est aussi ce qui supporte la chose. Ce qui prend tout le poids de la chose. Très important dans la vie, de savoir que tout ce que tu bâtis pèse. Il faut que tu choisisses les bons fondements. Alléluia. Par rapport à la famille, la question c'est, qu'est-ce qui prend tout le poids de la famille que tu as bâti ou que tu veux bâtir? Alléluia. Parce que hier, on a vu beaucoup de jeunes célibataires, garçons ou filles. On a prié même pour une sœur. Et c'est-à-dire que des gens qui sont sur le point de bâtir quelque chose, ils doivent se poser des questions. Qu'est-ce qui va supporter le poids de ce que je vais bâtir? Alléluia. C'est comme ça que nous réfléchissons, n'est-ce pas? Et oui, le ministère c'est bon, mais quand tu le bâtis, tu sais que le ministère va peser. Mais c'est qu'est-ce qui va supporter ce ministère-là? L'entreprise que tu bâtis, c'est bien, mais quel est le fondement? Parce que ton entreprise va peser. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait quelque chose en bas qui supporte le poids. Alléluia. Quand tu fais des études, tes études jusqu'à la fin, ça sera un poids. Il faut qu'il y ait quelque chose de solide qui supporte ce poids-là. Sinon, le poids des études vont t'écraser. Sinon, le poids du ministère va écraser. Alléluia. Troisième idée. Quand on parle de fondement, très important, c'est le point de départ. Le fondement, ce n'est pas seulement la base. Le fondement, ce n'est pas seulement ce qui prend le poids. Le fondement, c'est aussi ce qui commence, ce qui initie, le point de départ. C'est dans la vie, parfois, beaucoup de gens se retrouvent déjà au 20e étage. Ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais été au premier étage. Et puis, ils ne savent plus s'il faut continuer à monter, s'il faut continuer à descendre. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses dans la vie, tu ne peux pas les faire dans la deuxième saison. Tu ne peux pas les faire dans la troisième saison. Tu dois les faire au commencement. Quelqu'un me dit au commencement. Quelqu'un me dit au commencement. Tu sais, dans les choses de la famille, parfois le problème c'est le commencement. Le problème c'est le commencement. Dans la vie, le problème c'est le commencement. Tu ne peux pas aller à Sorbonne. C'est ça Sorbonne, hein? Tu ne peux pas aller à Sorbonne et aller là-bas pour demander les cours pour apprendre à écrire ton nom. Alléluia. Parce que ce sont des choses qu'on fait au commencement. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu et tu deviens serviteur, on t'impose les mains et c'est après que tu dois apprendre la loyauté, la soumission, la fidélité. Non, ce sont des choses qu'on apprend au début. Parce que la Bible dit, si tu ne te montres pas fidèle dans les petites choses, tu seras aussi infidèle dans les grandes choses. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans la chose qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui t'appartient? Tu vois, parfois dans la vie, le problème c'est le commencement. Dis au voisin, c'est le commencement. Faut bien placer le fondement au commencement. Dernière idée. Par rapport au fondement. Le fondement, c'est l'essentiel dont dépend tous les autres aspects. Le fondement, c'est l'essentiel. Parfois, ce n'est pas ce qui brille. Parfois, ce n'est pas le plus visible. Tu sais, si tu prends l'exemple d'une maison, c'est rare d'arriver dans une maison et d'apprécier la fondation. Les gens apprécient les lumières, les lustres, hein? Les gens apprécient l'écran sur les murs. Les gens apprécient les chambres. Les gens apprécient la peinture. Les gens apprécient la salle à manger et tout ça. Personne n'arrive chez toi et te dit, hey, montre-moi la fondation. Et puis là, t'asseoir devant la fondation, en train de regarder la fondation. Oh fondation, oh que Dieu bénisse la fondation. Non, alléluia. Mais les gens oublient.
Ah là là, les gens oublient que si le premier étage tient, si le deuxième étage tient, si tu as aimé les lumières, si tu as aimé la peinture, c'est grâce à ces... C'est grâce à la fondation. C'est grâce à la fondation. Elle prend tout, elle supporte tout, mais elle est rarement remerciée. Alléluia. Le fondement, c'est ce qui prend tout. Le fondement, tout dépend du fondement. Alléluia. Tout dépend du fondement. Dans le domaine de la famille, tout dépend aussi du fondement. Tout dépend du fondement. Mais pourquoi le fondement est important? Laisse-moi donner deux points ici. Alléluia. L'importance du fondement. Premièrement, parce que le fondement, son importance vient de sa capacité à établir des limites. La capacité à faire quoi? À établir des limites. Et n'oublie pas. Et ces limites, le fondement l'établit à deux niveaux. Au niveau du poids et au niveau de la grandeur. Tout ce que tu feras, on a dit ça tantôt, il faut que tu te rassures que ton fondement va prendre le poids de ce que tu veux bâtir. Alors, quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'un célibataire peut dire amen ce soir? Ce que tu vas bâtir, c'est une grande famille. Ce que tu vas bâtir, c'est une famille qui va se multiplier de génération en génération. Et si Jésus tarde à venir, ce que tu vas produire, ça va aller loin. Ça va aller loin. Mais il faut que tu saches que tu ne peux pas construire un édifice en béton avec le fondement en carton. Le fondement va limiter l'édifice en termes de poids. Dis avec moi, poids. Deuxième chose que le fondement nous éduque. Le fondement va limiter l'édifice en termes de grandeur. Dis avec moi, grandeur. Tu ne peux pas être plus grand que ta fondation. Est-ce que je parle mal, hein? Je vais parler bien. Je disais à quelqu'un, tu ne peux pas être grand, plus grand que ta fondation. Aucune église ne peut être plus grande que sa fondation. Aucun ministère ne peut être plus grand que sa fondation. Aucune entreprise ne peut être plus grande que sa fondation. Aucun appel ne pourra être plus grand que la fondation. Alléluia. Voilà pourquoi aucune famille ne peut être plus grande que la fondation de cette famille. Tu ne peux pas bâtir une maison de 20 mètres carrés sur une fondation de 2 mètres carrés. Il y a une partie de la maison qui sera sur le sable. Alléluia. Donc le fondement est très important parce qu'il amène la capacité de limiter en termes de comment? De poids et en termes de grandeur. Alléluia. La famille selon Dieu doit faire attention à son fondement. Alléluia. Deuxième chose, d'où vient l'importance de la fondation ou du fondement? Son importance vient de la capacité du fondement à répondre à la pression extérieure. La capacité du fondement à faire quoi? À répondre à la pression extérieure. Voilà pourquoi il faut deux choses pour le fondement. Premièrement, très important, je sais que tu connais ça, c'est la qualité, la bonne qualité, je vais dire, la solidité du fondement. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 7, je vais lire ça pour nous, versets 24 et 25. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Tu vois, le mot sur les rocs veut dire la qualité du fondement. Alléluia. La qualité du fondement. Dis avec moi, la qualité du fondement. Nous avons besoin d'avoir des familles selon le cœur de Dieu parce que ça sera des familles dont le fondement est de bonne qualité. Alléluia. Deuxième point, dans l'importance qui vient de la capacité du fondement à résister à la pression extérieure. Dans Matthieu 7 que j'ai lu dans le verset 25, la Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé. Et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée
sur le roc. Ce n'est pas parce qu'elle était belle. Ce n'est pas parce qu'elle était haute. Ce n'est pas parce qu'elle était grande. Ce qui va sauver ta famille et ma famille, c'est quand nous devenons des familles selon le cœur de Dieu, placées sur un fondement qui est solide. Deuxième chose, c'est que le fondement doit être posé dans la profondeur. Dis avec moi profondeur. Dis avec moi profondeur. C'est-à-dire au moment de poser le fondement, on doit être stratégique pour aller chercher la profondeur. Voilà pourquoi l'apôtre disait hier, don't rush, c'est-à-dire ne sois pas pressé. Fonder des familles, c'est bien, mais il faut faire attention. Quand on place le fondement d'une famille, on doit chercher la profondeur. Dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49, je vais lire ça pour nous, même jusqu'à 48 seulement. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Ah, j'aime comment le Seigneur parle. Il dit a creusé, virgule, a creusé profondément. Parce qu'il a dit, cette façon de creuser, ce n'est pas la façon de creuser au Parlement. Alléluia. Ce n'est pas la façon de creuser à l'université. On commence à redéfinir la famille au Parlement. On redéfinit la famille à l'université. On définit la famille dans des loges. On définit la famille dans les coutumes. On définit la famille dans la société. Mais le Seigneur dit non. Tout le monde ne creuse pas de la même façon. Parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui avec des familles, c'est que ces familles-là ont commencé. Les gens n'ont pas creusé, virgule, creusé profondément. Alléluia. Dis au voisin, creuse profondément. Oh, dis-lui, creuse profondément. Creuse profondément. Alléluia. Le secret du fondement, ce n'est pas seulement dans la solidité du fondement, mais c'est dans la recherche de la profondeur. Alléluia. Et la Bible dit, il a creusé profondément, il a quitté les sables, il a quitté la boue, et en creusant profondement, il a touché les rocs. Alléluia. Dis au voisin, touche les rocs, touche les rocs. Touche le roc, alléluia. Dans ce que tu fais, fais attention au fondement. Fais attention comment tu as commencé. Tu étais pressé de commencer. Tu n'as pas creusé. Tu n'as pas creusé profondément. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à des familles qui ne sont plus selon le cœur de Dieu. C'est maintenant les familles selon le cœur du président. Les familles selon le cœur des juristes. Les familles selon le cœur des parlementaires. Les familles selon le cœur des coutumes. Les familles selon le cœur des traditions. Mais l'église doit s'élever. Parce que quand les fondements sont ébranlés, Dieu n'est pas ébranlé. Quand les fondements sont ébranlés, il y a une véritable église où Jésus est Seigneur. Et cette église-là peut déclarer aujourd'hui, quand vous établissez les familles, creusez et creusez profondément. Alléluia. Quand tu n'as pas creusé profondément dans la vie, ça te rattrape toujours. Dans le ministère, ça nous rattrape. Hein? Ça nous rattrape. C'est moi, il y a des choses que j'ai fait dans le ministère. Quand je regarde, je dis à ma femme souvent, si Dieu me donne l'occasion de recommencer, je ne ferai pas comme ça. Parfois pour l'intimider, je dis même toi, je ne sais pas où j'étais maître. Alléluia. Voilà pourquoi on a des apôtres. On a nos papas. On a nos amis. Moi, j'ai mon ami ici. Quand ça ne va pas, je l'appelle. J'ai dit, le fondement n'a pas été profond. Alléluia. Ah, dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas être orgueilleux. Aujourd'hui, tout le monde connaît tout. Tout le monde est tout. Ah, hein, tout le monde est grand. Tout le monde est bespite. Tout le monde est particulier. Tout le monde est ta-ta-ta. Nous sommes seulement des gens ordinaires. À qui Dieu fait la grâce d'apprendre de leurs erreurs et de savoir que quand je commence quelque chose, je dois creuser et creuser profondément. Que tous les célibataires disent amen. Après cette conférence, creuse profondément. Ah, quand le frère va venir, tu lui dis, tu veux, est-ce que tu es prêt que nous puissions creuser et creuser profondément? Alléluia. Parce que quand on veut attaquer quelque chose, on attaque son fondement. Alléluia.
on attaque son fondement. Chaque fois qu'on veut déstabiliser quelque chose, on déstabilise son fondement. Tu sais, le diable pouvait attendre qu'il y ait 7 milliards de gens sur la terre pour commencer à les séduire, à les attaquer. Mais il est malin. Il sait que toute la race humaine a un fondement, deux personnes. Et il dit que si je déstabilise les deux, toute la race. Voilà pourquoi il n'a pas séduit toute la race. Il a séduit un homme et une femme qui sont les fondements de la famille. Après, nous arrivons sur la terre, on dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire. Beaucoup de gens se demandent où. On n'a pas besoin de bousculer la toiture. Si on a bousculé le fondement, la maison finira par s'écrouler. Alléluia. Alors, quand nous parlons de la famille, je commence à aller vers la fin maintenant. Quand nous parlons de la famille, le fondement de la famille, je sais que Christ est le fondement de tout. Hein? Tu ne placeras pas un autre fondement si ce n'est Christ. Le fondement de nos vies, le fondement de notre foi, de nos églises et tout. Je ne parle pas de ce niveau-là. Mais quand nous parlons du fondement de la famille, nous parlons de la relation qui était à la base de cette famille-là. Pourquoi relation? Parce que tu ne peux pas commencer une famille seule. Une seule personne ne peut pas constituer une famille. Alléluia. On te prend seul. On t'amène à Patmos. Comme papa a dit, Australie, c'est Patmos. Hein? Le premier pays voisin, c'est 17 heures de vol, 9 heures de vol, 10 heures de vol. On te laisse là seul. On peut revenir 50 ans après. Si Dieu ne te fait pas grâce d'enlever la côte pour faire quelqu'un à côté de toi, on te trouvera seul après 50 ans. Parce que tu ne seras pas capable de te multiplier seul. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de relation. Alléluia. C'est sur cet élément-là que se porte la première attaque de la famille selon le cœur de Dieu. C'est sur son fondement. Quel genre de relation a commencé cette famille-là? Alléluia. Laisse-moi te donner quelques types de relations. Et parmi ces relations-là, il y en a beaucoup que le monde nous propose. Premièrement, relation entre deux personnes de même sexe. Je ne peux plus ajouter rien du tout. L'apôtre a terminé ça. Il a vidé le sujet hier. Et je disais à Douglas, la prochaine fois, mets-moi avant lui, s'il te plaît. Sinon, mon prochain voyage en France, je vais seulement conduire des prières. Partout où je vais aller, parce que partout où je passe, je vois des choses. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire ici? Peut-être que je vais parler de l'hiver canadien. Là, vous allez trouver quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Alors, relation entre deux personnes de même sexe. Cette relation-là ne peut pas fonder la famille selon le cœur de Dieu. Oui, on peut avoir deux personnes de même sexe, on peut adopter des enfants, on peut faire beaucoup de choses, la technologie et tout ça, mais on pourra peut-être avoir quelque chose qu'on pourrait appeler famille. Mais nous parlons pas seulement de la famille ici. Ici, nous parlons de la famille selon le cœur de Dieu. Et donc, tu connais le passage, quand tu prends Lévitique chapitre 18, verset 22, la Bible dit, tu ne coucheras pas. Un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, le pasteur parle beaucoup de ça, quand je l'écoute, les efféminés. Hein, une façon polie de désigner les gens qui se mettent ensemble du même sexe. Dans Romains chapitre 1, verset 27, la Bible dit, laissant l'usage naturel de la femme, les hommes se sont enflammés entre eux et commettant homme avec homme des choses infâmes. Amen. Comme j'ai dit, l'apôtre nous a bien édifié là-dessus. Deuxième genre de relation, c'est une relation entre un homme et une femme, mais une relation ordinaire. Dis avec moi, ordinaire. Une relation ordinaire entre un homme et une femme. Souvent, ces relations-là arrivent sans même l'intention de créer une famille. Alléluia. Et dans le terme biblique, c'est ça ce qu'on appelle l'immoralité ou le pornéa, l'impudicité.
Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit justement qu'il faut fuir ces choses-là parce que c'est un péché commis contre les corps. Vous ne pouvez pas avoir juste des relations hommes et femmes et créer la famille selon les cœurs de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible dit que pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait son partenaire. Hein? Non! La Bible dit chaque homme ait un et chaque femme son mari. La Bible dit ça va éviter les dégâts si chaque homme a sa femme. So, tu vois, le Seigneur sait que un homme et une femme peuvent se rencontrer et avoir commerce ensemble. Mais il dit que si vous voulez limiter l'impudicité, il ne faut pas seulement que chaque homme ait un partenaire ou une partenaire. Il faut que chaque homme ait une femme. Et chaque femme ait un mari. Pas seulement un homme, mais un mari. Amen. Ça, c'est deuxième type de relation. Troisième type de relation. C'est un homme et une femme qui habitent ensemble. Qui habitent ensemble. Il faut faire attention. Quand un homme et une femme habitent ensemble, ils peuvent commencer à vivre comme des mariés alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils font beaucoup de choses que les mariés font. Ils partagent le même espace, ils dorment dans le même lit, partagent la même douche, et puis ils ont un contact intime entre les deux. Ils ont des enfants comme tout le monde. À un moment donné, ils peuvent oublier qu'ils ont un problème de fondement et qu'ils ne peuvent pas, à ce stade-là, créer la famille selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, verset 16 au verset 17, tu connais l'histoire. Quand le Seigneur est allé au puits de Jacob et il parlait, il y avait une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Il a commencé à parler avec cette femme. Il lui a dit, va et appelle-moi ton mari. Et la femme lui dit, je n'en ai pas. Je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, en cela tu as dit vrai, parce que tu avais 5 maris. Et jusque là, elle et le Seigneur sont en train de parler de mari. Et après le Seigneur va lui dire, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. C'est-à-dire que tu peux avoir un mari qui n'est pas ton mari. C'est-à-dire que tu as un homme qui prétend être le mari, tu as une femme qui prétend être la femme, mais devant Dieu, il n'est pas vraiment le mari. Parce qu'il y a un problème de fondement. Alléluia. Quatrièmement, ça c'est pas un péché, mais ce n'est pas encore le mariage. Un homme et une femme qui sont fiancés. La Bible parle de fiancés. Luc chapitre 2 verset 5, Matthieu chapitre 1 verset 18, l'histoire de Marie et de Joseph. Donc, ce sont des gens qui se sont promis et qui prient et qui s'observent et qui se regardent pour voir si un jour, ça sera la volonté de Dieu pour eux de s'engager. Mais il faut faire attention, cette stade-là n'est pas encore le mariage. Et les fiançailles ne peuvent pas créer une famille selon le cœur de Dieu. Les fiançailles n'est pas le fondement que Dieu a choisi pour créer la famille selon le cœur de Dieu. Souviens-toi que nous parlons du fondement de la famille selon le cœur de Dieu. Amen. Alors, laissez-moi ajouter quelque chose d'important ici pendant que je tire vers la fin. La Bible fait une différence. Tu sais, le premier point, c'est-à-dire relation entre homme et femme. Deuxièmement, relation entre un homme et une femme qui sont seulement ordinaires. Troisièmement, deux personnes qui cohabitent ensemble, même s'ils ne sont pas de même sexe. Quatrièmement, deux personnes qui se sont promis le mariage, mais qui ne sont pas encore mariées. À partir de là, quand tu lis la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, tu vois la distinction dans la langue originale de la Bible. Laisse-moi te donner quelques exemples de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que chaque fois que la relation n'était pas légale, la relation était illégale. Je prends le mot illégal pour dire non permise, irrégulière. Dis avec moi illégale. Alors, quand la relation était illégale, souvent, quand tu as une bonne version de la Bible, on va utiliser le terme couché. Chaque fois, on utilise le terme couché. Je te donne quelques exemples. Genèse chapitre 19, verset 33 à 34. Lot et sa fille, la Bible utilise le terme couché.
Genèse chapitre 35, verset 22. Ruben est la concubine de son père. La Bible utilise le terme hein, coucher. Genèse chapitre 39, verset 7. Joseph, la proposition de la femme de Potiphar était en termes de coucher. Dans Exode chapitre 22, verset 16. Toute relation illégale entre un homme et une femme qui est encore vierge mais qui n'est pas sa femme. La Bible utilise le terme coucher. Lévitique chapitre 18, verset 22 à 23. Homosexualité et bestialité, c'est-à-dire relation entre un homme et une bête. La Bible utilise le terme coucher. Chakab, coucher. Chaque fois que la relation était illégale. Maintenant, quand la relation est illégale, la Bible utilise le terme connaître. Connaître. Yada, connaître. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 4, verset 1 et plus tard, verset 25, la Bible dit, Adam connaît sa femme. Et quand tu prends 1 Samuel, chapitre 1, tu vois, la Bible, verset 19, la Bible dit, Elkanah connut sa femme, Anne, il lui enfanta. Et le Seigneur se souvient de la femme qui va plus tard enfanter Samuel. So, tu vois, même la Bible n'accepte pas. Ce n'est pas tout. Qu'un homme rencontre une femme, même de façon spirituelle. La Bible appelle ça autre chose quand c'est fait, quand il y a eu un bon fondement, et la Bible appelle ça différemment quand la relation a été illégale. Quelqu'un me dit amen? Voilà. Maintenant, cinquième type de relation, pour terminer. C'est le mariage, selon Dieu. Le mariage selon Dieu peut bien servir de fondement à cette famille que nous voulons bâtir. Parce que d'où vient la famille? D'où vient la famille? D'où viendra la famille? Je ne peux pas être un petit garçon de 15 ans dans la maison de mon père et dire j'ai une famille, comment je vais faire? La famille ne vient que quand il y a une relation de mariage. C'est le mariage qui crée des familles. C'est le mariage qui crée des familles. Et l'apôtre nous a dit hier que le fait de mettre homme et homme, femme et femme, la multiplication est cassée. C'est ce que Dieu avait dit, allez et multipliez-vous. Et voilà pourquoi il a créé deux sexes pour que cette multiplication soit possible. Alléluia. C'est le mariage qui crée des familles. C'est le mariage qui crée des familles. C'est mon père, je suis né dans la famille de mon père. Je suis né dans la maison de mon père. Mais à un moment donné, je suis allé prendre mon épouse ici et nous avons fondé une famille. Qui n'est pas la maison de mon père, c'est ma maison maintenant. C'est le mariage qui crée hein, la famille. Alléluia. Le mariage qui crée la famille. C'est quoi le mariage? Je ne vais pas te fatiguer avec ça. C'est un mystère par lequel Dieu met un homme et une femme en union pour qu'ils reflètent l'union qu'il y a entre Christ et l'Église. C'est quoi? C'est un mystère. So, tu vois, dans le mariage, il y a dans la composition, dans la définition biblique du mariage, il y a certains éléments qui doivent être là pour qu'on puisse avoir un mariage qui peut servir de fondement. Premièrement, il faut qu'il y ait Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait Dieu. Le mariage n'est pas l'invention du Parlement. Voilà pourquoi quand il touche à ça, il y a le désordre partout. Le mariage, ce n'est pas l'invention de l'université, de faculté de psychologie. Alléluia. Le mariage n'est pas l'invention même des facultés de théologie. Quand, pour que nous puissions avoir mariage, il faut d'abord qui? Dieu. Deuxièmement, il faut un homme. Troisièmement, il faut une femme. Quatrièmement, il faut une union. Et cinquièmement, cette relation doit être un mystère. Alléluia. C'est ainsi que dans Éphésiens chapitre 5, verset 31-32, tu connais le passage. L'apôtre Paul dit ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il continue en disant, ces mystères, c'est-à-dire ce qu'il venait de dire, ces mystères, je l'ai dit par rapport à Christ et l'Église. Alléluia. Je sais que nous sommes à l'Église, les gens ont peur du mot mystère. J'ai dit mystère, pas mystique. Alléluia. Et le mot mystère, ça veut dire quoi? Mystère veut dire une information, une vérité, une connaissance qui est cachée et qui ne peut être connue que par révélation et par initiation. Quelqu'un me dit amen.
C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul est en train de dire que ces mystères, au fait, il veut dire, c'était une connaissance qui était cachée et qui m'a été révélée et le Seigneur m'a initié dans la connaissance. Il n'était pas marié, mais il pouvait connaître les choses du mariage parce qu'il a été initié. Plus tard, il va dire, l'évangile que je prêche, je ne l'ai appris ni de la chair ni du sang, mais c'est par révélation. C'est par révélation, c'est par apocalypsus. C'est par destruction du voile que je suis arrivé à la connaissance. Tu vois, sur chaque fois qu'on parle d'un mystère, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est quelque chose qui existe, mais qui doit être enseigné à quelqu'un. Et cette personne, pour détenir cette révélation, doit être initiée. Voilà pourquoi c'est un danger d'être engagé dans les choses sans initiation. C'est un danger de se marier sans être encadré. C'est un danger, alléluia. Moi, j'ai dit à ma femme, j'allais te choisir, toi, mais on allait faire les choses différemment. Beaucoup de choses que le Seigneur m'enseigne aujourd'hui, en écoutant les gens, en accompagnant les autres, c'est on a beaucoup de respect pour les membres de l'Église. Parce que parfois, vous avez vécu des expériences plus dures que nous. Et quand nous vous accompagnons, nous apprenons avec vous aussi. Alléluia. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse. Parfois, tu écoutes quelqu'un, tu dis comment il fait pour supporter ça. Et tu apprends. Alléluia. So, il faut que tu sois initié. Le mariage, ce n'est pas quelque chose que tu peux te lever le matin. Non, il faut que tu viennes auprès des gens à qui Dieu a enseigné ces choses. Alléluia. Et je ne dis pas seulement les gens qui sont allés dans des écoles. Non, les gens à qui Dieu a donné la vision, la révélation, l'expérience. Il ne faut pas hésiter à écouter quelqu'un qui a déjà eu la grâce d'écouter Dieu dans ce domaine-là, de vivre avec Dieu dans ce domaine-là, de connaître les combats de ce domaine-là. Et quand il te dit ne sois pas pressé, écoute-le. C'est une initiation que tu es en train de suivre. Parce que beaucoup de dégâts aujourd'hui, pourquoi nous avons des familles non selon le cœur de Dieu? Parce que les gens qui se sont mariés n'ont jamais été préparés à ça. La Bible appelle ça un mystère, tu ne peux pas connaître ça si Dieu ne te révèle pas ça. C'est un mystère, la Bible le dit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est un mystère. Alléluia. Alors, donc on a dit, première relation, des personnes de même sexe. Deuxième relation, relation ordinaire, c'est l'impudicité. Troisième relation, des gens qui cohabitent ensemble. C'est un peu l'impudicité, mais ils ne savent pas parce qu'ils habitent ensemble, ils sont là, ils font des enfants et tout ça là, ils attendent l'enlèvement. C'est très dangereux. Quatrième relation, des fiancés. Hein? Des fiancés, souvent ça arrive, même à l'église, souvent, nous allons nous marier de toute façon. Tu vois, ce n'est pas comme si je vais ailleurs, c'est avec toi. De toute façon, dans 6 mois, qu'est-ce que ça va changer? 6 mois avant, 6 mois après, on est dans la même année, n'est-ce pas? Alors, donc, on peut déjà commencer à vivre. Non, c'est le mariage. Et le mariage se distingue des autres relations. Alléluia. Pourquoi le mariage se distingue des autres relations? Ce n'est pas le sexe, parce que le sexe, on peut l'avoir partout. Alléluia. Même aujourd'hui, même au téléphone, et beaucoup de choses comme ça. Alors, garde tes pensées ici. Alors, donc, ce n'est pas l'homme et la femme, non. Parce que les hommes et les femmes, on peut les avoir aussi partout. Ce n'est pas le même appartement, non. Ce n'est pas la même voiture, non. Ce n'est pas le même crédit, non. Ce n'est pas parce que tous les jours, vous êtes ensemble au Château Rouge, non. Hein? Même si vous habitez, vous êtes à Boussy-Saint-Antoine, ce n'est pas la même chose. Ah, si tu viens dans la région parisienne, tu n'arrives pas à Boussy-Saint-Antoine, que Dieu te pardonne. Alléluia. Pourquoi le mariage se distingue des autres? La réponse nous est donnée dans Malachie, chapitre 2, verset 14. Malachie, chapitre combien? Chapitre 2 et verset 14. La Bible dit ceci. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin contre toi et la femme de coin de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. L'élément qui distingue le mariage des autres relations, hommes et femmes, c'est la dimension de l'alliance, que tu ne trouves pas dans n'importe quelle autre relation. Alléluia. C'est la dimension de quoi? De l'alliance. Trois éléments dans l'alliance. Premier élément, c'est l'engagement total.
La famille selon le cœur de Dieu, c'est une famille qui a été commencée dans un mariage d'alliance où les conjoints se sont engagés totalement. Quand il n'y a pas un engagement total, ne te marie pas. Quand il n'y a pas cette faculté de se donner. Parce que quand il y a un engagement total, quand le gouvernement va commencer à redéfinir le mariage, quand l'université va redéfinir le mariage, quand la famille va redéfinir le mariage, quand certains milieux religieux, c'est triste de le dire, va redéfinir le mariage. Mais puisque vous, vous vous êtes engagé totalement, vous allez avoir un fondement solide. Pourquoi le mariage ne dure pas? Il n'y a pas d'engagement total. Les gens entrent dans le mariage et nous gardons les numéros des autres. Nous gardons les contacts. Alléluia. Ce n'est pas notre faute, on ne savait pas. Mais à partir de cette conférence, on le sait. Et des autres enseignements qui ont précédé, le pasteur a donné, tu le sais. Si tu veux te marier, pose la question à Dieu de sonder ton cœur et de te dire si le temps est venu pour toi d'avoir un engagement total. Un engagement comment? Total. Tu restes dans cet engagement même si les conditions changent. Même si les conditions comment? Changent. Le travail, le ministère, je ne sais pas moi, les enfants, la taille. Même moi, j'étais pas comme ça. Maintenant, le ventre commence à sortir. J'ai dit à ma femme, il faut que tu fasses attention. Si jamais tu provoques le ventre qui sort, ne quitte pas. Reste là. Dis avec moi, engagement total. Voilà pourquoi, frère, quand le frère vient, il vient te chercher à Château Rouge, il vient te chercher à la place République. Hein? République. Il vient te chercher à la place, comment ça s'appelle? À toutes ces portes que vous avez, que Dieu vous pardonne. Qu'est-ce que vous avez avec les portes? À porte de Clichy, à porte de Clignancourt, à porte de la Villette, à porte de Pantin, à porte de, porte de Paris. Quand il vient te chercher là-bas, dis-lui, frère, c'est bien que tu viennes ici. Est-ce que tu es prêt pour l'engagement total? Alléluia. Deuxième élément dans l'alliance, il faut que ce soit Dieu qui a établi les conditions. Voilà pourquoi nous n'avons pas beaucoup de mariages. Dès que le Parlement commence à établir les conditions, l'affaire est abîmée. Pour qu'il y ait alliance, il faut un engagement total et les conditions de l'alliance ne peuvent pas être établies par les hommes. Il faut que ce soit qui? Dieu qui établisse les conditions de l'alliance. Il le fait en suivant un processus. Il va appeler l'homme et il va donner à l'homme l'objectif de l'alliance. Il va dire à l'homme ce que lui, Dieu, va faire. Et il va dire à l'homme ce qu'il attend de l'homme. Hein? Aime ta femme, sois soumis. Tu vois, il donne, voici ce que moi je vous multiplierai, mais vous, vous allez vous aimer et vous soumettre. Donc il dit à l'homme ce que l'homme doit faire et il fixe les bénéfices de l'alliance. Dieu fixe toujours les bénéfices de l'alliance si tu obéis et la peine si tu n'obéis pas. Amen. Troisième élément de l'alliance, je finis par là, c'est le sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. C'est donner. L'apôtre a dit hier, l'homme doit se donner comme Christ s'est donné. La femme a aussi un certain niveau de sacrifice qu'elle doit faire pour être dans le mariage. Parce que quand les enfants vont commencer à venir, tu ne vas pas me donner la douleur de l'enfantement. C'est un sacrifice que tu dois accepter. Mais non, franchement, hein, tu ne peux pas prendre ça au nom de Jésus, je le déracine et je le mets là-bas. Non, ça ne marchera pas. Il y a un certain degré de sacrifice. Tu sais pourquoi le mariage ne marche pas? Parce qu'il n'y a plus l'idée de sacrifice. Hein? Les gens ne peuvent plus se sacrifier. Je suis ici en France pendant 3 semaines. Mon épouse n'est pas avec moi. Je dois me sacrifier de ne pas rencontrer une femme dans un restaurant, de ne pas appeler, de ne rien faire. Tu ne me connais pas, je ne connais pas, il n'y a rien du tout. Parce que je me sacrifie. Alléluia. Et quand il y a sacrifice, il faut savoir qu'il y a perte de vie.
on perd une vie. Tu perds ta vie de célibataire. Et puis, on retrouve une nouvelle vie. Tu ne perds pas pour perdre. Tu perds pour retrouver la même vie, mais dans une autre dimension. Voilà pourquoi la Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule personne. Cette personne-là est une nouvelle personne qui est créée par la mort des deux autres personnes. Mort dans leur égoïsme, mort dans leur individualité, mort dans leur indépendance, mort dans leur autonomie, mort dans leur désir et leur choix pour créer la personne nouvelle. Troisièmement, quand il y a sacrifice, il y a une union physique. Parce que le mariage crée la famille. Et cette famille est créée par l'union. C'est l'union qui amène le fruit. Malheureusement, il y a confusion dans ces domaines-là. Voilà pourquoi on a du mal à avoir les familles selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a confusion. Mais heureusement, la Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, Dieu est encore dans la temple. Dieu est encore dans l'église et nous pouvons aller vers lui. Et aujourd'hui, Dieu dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Dieu dans l'église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dieu dans l'église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Paul va dire, il y a un voile quand il lit l'Ancien Testament. Mais le voile n'est ôté que quand les cœurs sont tournés vers le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand les fondements sont ébranlés, le Saint-Esprit est dans l'église. Et il confirme la vision de Dieu sur le mariage. Quand les fondements sont ébranlés, l'Esprit de Dieu enseigne à l'église. Voici le mariage selon le cœur de Dieu. Quand les fondements sont ébranlés, l'Esprit de Dieu est encore là. C'est ainsi que le prophète Joël va dire, et vous savez, et vous saurez, dans Joël chapitre 2, versets 27 à 29, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Quand les fondements sont ébranlés, Dieu est dans son temple et son trône est en haut. Quand les fondements sont ébranlés, Dieu est dans son église. Je vais dire la vraie église qui enseigne le mariage selon le cœur de Dieu. Et la Bible dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et tout de suite après, il dit, après cela, je répandrai mon esprit. Tu vois, quand le Saint-Esprit vient, la confusion s'arrête. La Bible dit, vous saurez que je suis au milieu de vous et vous n'aurez plus de confusion. Pourquoi? Parce que je répandrai mon esprit. Voilà pourquoi Paul va dire, quand le voile est ôté, on voit clair parce que les cœurs sont tournés au Seigneur, mais ce Seigneur-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ôte la confusion pour que nous puissions voir le mariage selon le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit ôte la confusion. Quand tu viens à Christ, tu acceptes Jésus et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Il commence à te dire, voici le mariage selon le cœur de Dieu. Tu quittes la confusion d'homme à homme, de femme à femme. Tu quittes la confusion des relations ordinaires parce que j'ai un corps, tu as un corps. Tu quittes la confusion parce que nous avons quelque chose ensemble, des enfants ensemble, un appartement ensemble. Tu quittes la confusion de confondre le mariage et le fiançailles. Tu viens dans une alliance. Tu comprends que le mariage est une alliance. Et c'est ce mariage-là qui sert de fondement à la famille selon le cœur de Dieu. Chaque fois qu'on va donner au mariage un autre type de relation comme fondement, on va arriver à des choses qui vont nous mettre dans la confusion. Si nous voulons avoir le mariage selon le cœur de Dieu, nous devons commencer au commencement et bien définir cette famille-là. Si nous voulons avoir la famille, pardon, selon le cœur de Dieu, nous devons bien dire quel est le fondement, quelle est la relation qui va commencer la famille selon le cœur de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que ta fondation. Tu ne feras dans la famille que selon le fondement. Beaucoup des enfants sont perdus aujourd'hui. Beaucoup des enfants ne savent pas où aller parce que leurs parents n'avaient pas placé les bons fondements. On a des familles qui sont un peu déstabilisées et les attaques sont en train de venir, même du gouvernement, des milieux politiques. Les attaques viennent de partout. Et ces attaques-là ciblent pas la famille elle-même, mais les fondements de la famille. On donne de l'argent même aux familles, on donne des allocations même aux familles. Mais aussi longtemps qu'on peut détruire le fondement,
et mélanger les gens dans la confusion, dans la définition. Quel est le véritable fondement? Quelle est la véritable relation qui peut accoucher une famille qui sera appelée la famille selon le cœur de Dieu? Mais heureusement, quand les fondements sont ébranlés, l'Esprit de Dieu est dans l'Église pour nous enseigner. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tous ensemble? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.